Bonjour et bienvenue, on est reparti pour du War Tales. Donc on est... J'allais dire de retour à Drumback, mais on s'était arrêté de toute façon à Drumback. Moi j'ai un peu voyagé. J'ai vendu... des épices. J'en ai revolé après, évidemment. Je n'arrête pas de voler, j'ai un problème. J'ai vendu pas mal de gemmes, d'argent, le métal encore une fois. J'ai aussi de l'ambre. L'ambre est... Non, c'est pas très cher, en fait. Parchemin et poterie, c'est cher. Donc, ouais, à un moment, j'ai vendu, genre, plein d'argent. Enfin, plein. 15, je crois, d'un coup. Ça m'a fait plus 2000 et quelques. Et après, 500 pour la mission en elle-même. Donc, on est à 12 000. Donc, on est bon. Parce que faut penser aussi qu'à chaque fois que, bien sûr, nos compagnons montent de niveau... faut les payer de plus en plus cher. Donc ouais, on est à 45 par exemple pour Laura et tous les autres qui sont du même niveau tournent plus ou moins à 45, entre 40 et 45. Ouais, quoique, il y a Philak qui est pas très... Ah oui, mais il est encore niveau 9, cher ami. Donc ouais, ça coûte cher quand même, ça coûte cher. J'avoue qu'au final, le bénévole même... Même sur quelqu'un qui est déjà affranchi, c'est vrai que c'est pas mal. On peut voir la différence. Donc, ouais. Tout ça pour dire que... Alors, vous avez vu, on est déjà à 60 jours. Et je suis à 1200 sur 1700. La dernière fois, on s'était arrêté car j'avais kidnappé des bonhommes de neige. Et donc, je suis retourné. Donc, la première fois où on en avait vu des niveaux 14. Je crois que c'est... Par là ou par là? Ça c'est quoi ça? Ah oui, le mont, c'est là, il nous laisse pas y aller. Je crois que c'est là, vous savez, ça continue en fait, mais après c'est une sorte de brouillard et tout, on peut pas le traverser, donc en gros c'est la fin de la map quoi. J'y suis retourné, vite fait, et du coup je me suis fait attaquer par des bonhommes de neige qui étaient du coup 14, J'en ai capturé plein. Enfin, j'en ai capturé autant qu'on en voit là. Du coup, on en avait déjà un. Donc, ça fait quoi 4, 5, 6, 6. Mais je crois que j'ai dû en capturer quasiment une dizaine, en fait. Donc, c'était assez drôle. Donc, j'ai pu faire mon choix. Donc, ils sont tous niveau 14 avec... Bon, on va aller dans le camp, vous allez voir. Donc, ce que j'ai dit, je l'ai fait. Ah oui, il y en a qui veulent leur indépendance aussi. Non. Non. Voilà. Donc, c'est monstrueux ce qu'on fait, mais c'est tellement puissant. Donc, il y a les 4 ici qui ont la figurine de poney. Et ils sont tous marmitons maîtres. Donc, transport, ils sont tous à plus de 100. Honnêtement, ce qui est marrant, c'est que si vous mettez un cheval là-dedans, dans le poteau d'attelage, sa portance augmente et tout ça, son transport augmente. Donc on est dans les 120 pour le moment, pour un niveau 9. En théorie, je sais même pas si ça va augmenter. Bah ça va pas vraiment augmenter en fait. On va avoir voyageur au niveau 12. On va dire qu'on lui mette que de la constitution. Il va sûrement être dans les 130. Et encore, je suis pas sûr que ça atteigne 130 en fait. Mais voilà, c'est pour vous dire. Là, on a quand même des gens qui sont juste enchaînés et ils ont 110. Donc c'est quand même énormissime. C'est quand même énormissime. Et il consomme à peine 3. Alors qu'un cheval, ça consomme 6. Si j'arrive à cliquer sur 1. Ça consomme 6. Donc ça aussi, c'est quand même moins cher en nourriture. Et comme j'ai dit, on peut les changer, donc les monter en marmiton maître. Et du coup, moins 2. Donc chacun vaut un seul. Et on a plein de bonus. J'ai aussi changé un peu le camp. Alors ça a été compliqué. Alors, je vais vous montrer un peu. Attendez que je me place bien. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait, mais c'est un peu compliqué. Donc ils sont tous à zéro. Ils peuvent pas s'échapper. Ils sont tous à zéro. Ça m'a pris une bonne heure en fait pour faire un truc joli et en même temps que ça fonctionne. Donc là, ça a pas trop changé parce qu'en fait, un peu par hasard, du coup, vu que j'avais mis des moustiques ici, donc on arrive à pile moins 100. Donc il n'y a pas de problème. C'est un peu embêtant le moins 10% là du camp gardé. Parce qu'en fait ça aide pas du tout. Parce que si vous le...
si vous le laissez à 10%, il a quand même une chance de s'échapper. Et des fois, ils peuvent s'échapper, genre, plusieurs nuits d'affilée. Donc, c'est extrêmement, extrêmement chiant. Donc, au final, ça sert strictement à rien, ce moins 10%. Autant l'enlever, ou alors le mettre à 20. Si c'était 20, honnêtement, ce serait beaucoup plus intéressant. Mais ouais. J'ai l'impression que je sens le brûler, c'est bizarre. Bref, donc là, après, j'ai un peu mimiqué de ce côté-là, donc j'ai inversé... je l'ai mis vers l'avant. Donc là, on est un peu pareil. Donc ça, c'est bon. On est à moins 100. Bien sûr, on leur a mis leurs objets spéciaux. La levure sèche. Il faut que je boive un peu. Et là, on a mis le masque d'apiculteur. Donc voilà, ça, c'est bien. Et après, le dernier, en fait, était chiant. Donc j'ai dû bouger pas mal de choses. Donc si vous regardez, en fait, les carrés. Vous voyez les carrés, en fait, lui, il est là. Il est en plein milieu, là. Et j'ai utilisé, en fait, la tente. J'ai mis tous les gens là, dans la tente, en fait. Je les ai fait rentrer par ce côté-là. Donc, du coup, là, il est à côté de 3 personnes de la tente, par exemple. Et après, j'ai dû rajouter encore plus de monde. Donc, j'ai une personne là. Il y a Loran, qui est sur cette case-là. Et après, la personne qui protège le camp, donc Ménette, je l'ai fait, au lieu de le faire rentrer par l'avant, je l'ai fait rentrer par le côté. Donc, vous voyez qu'il y a une case qui est prise là. Donc du coup, il est adjacent à 3 cases, une là et une là aussi. Donc voilà, il a 5 personnes en fait tout autour de lui. Et après, vu que j'ai mis le jeu de dés là et lui il est manqué une personne, du coup je l'ai fait jouer, j'ai fait jouer Arnus de ce côté là. Donc si vous regardez les cases, regardez pas la souris, hein, regardez juste les cases hein, quand elles se dessinent. Quand je maintiens en fait, vous pouvez voir les cases, donc c'est pour ça que je le fais. Donc vous voyez que là il est adjacent au bonhomme de neige et du coup il est surveillé quoi. Donc voilà. Donc ouais. Faites pause, prenez un screenshot, je sais pas, regardez ce que j'ai fait. Et ça marche bien. Ça marche bien, ils sont tout le temps à moins 100% comme ça, donc il n'y a pas de problème. Donc on peut les faire travailler indéfiniment. Pas besoin de les blesser, genre parce que quand ils sont blessés ils ont moins 20%. Pas besoin de les blesser, il n'y a pas de problème. Le seul problème que j'ai à la limite, c'est que les moustiques en fait vont les piquer de temps en temps. Donc du coup, bah, techniquement, on perd une fureur. On perd une fureur sur des personnes qui vont pas, qui vont tout simplement pas combattre en fait. Voilà. Après, je sais pas trop quoi faire d'autre. Je pourrais mettre un des loups à la place des moustiques et mettre les moustiques ailleurs. Mais la question, c'est où mettre les moustiques. Voilà. C'est pas. Voilà, il n'y a pas grand chose à changer. Mais du coup, on est très léger en fait avec. Enfin, pardon, on n'est pas léger. On est très libre en fait dans les activités. Parce que par exemple, là, il y en a 2 qui jouent. Donc, ils font techniquement pas grand chose. Il y a elle, Ingran. Bah, du coup, je l'ai mis complètement au coffre en fait tout le temps. Le coffre du camp. Parce que voilà, la tente est pleine. Les ours blancs sont adjacents, tout ça, depuis très longtemps, donc ils donnent de la bravoure. Enfin voilà, tout va bien, et là j'ai mis le marmiton de ce côté-là, du coup, aussi. J'ai bougé un peu le drapeau. Donc ouais, les gens sont tranquilles. À la limite, ce que je pourrais faire, si vraiment on veut optimiser encore plus, ce serait mettre une graine là, et mettre un cadavre dessus, mais bon, ça fait quoi? Double l'influence. Ouais. Moi, c'est pas énorme non plus. Je vais boire encore un petit coup, désolé. J'ai du mal à respirer en ce moment, je sais pas pourquoi. Je sais pas, je suis en train de mourir, c'est cool. Donc ouais. On va partir au combat. On va se mettre là. Aussi, regardez le nombre de marmitons du coup qu'on a. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Je pourrais faire encore plus, hein, mais après, les autres sont en activité, en fait. Il y a elle qui va... à un moment, elle faut que je la monte marmiton aussi, mais on n'arrive pas à finir bûcheron. Donc, ouais, donc d'avoir ce bonus en fait aide énormément et du coup on peut rester éveillé très très longtemps donc c'est un peu abusé. Donc voilà, on va dormir. Je sais que je me suis déjà reposé mais on va... Niveau de danger 50. Qu'est-ce qui se passe? Mais on est dans une ville. Ah non, je suis pas dans la ville.
What the fuck? Ok, j'étais à côté de la ville, j'étais pas dans la ville. Ah, c'est bizarre. Pourtant, j'étais persuadé d'être dans la ville. Ok, bon, bon c'est pas grave. Donc, on va verser notre solde. Aussi, du coup, vu qu'on peut transporter énormément d'objets, on est à 1200, donc j'ai énormément de nourriture, en fait, sur moi. Et on a quand même une marge, on peut aller jusqu'à 1700. Donc ouais, il n'y a pas vraiment de problème. Donc, du coup, vu qu'on n'a pas vraiment besoin de dormir, ce qu'on peut faire, c'est ça. En fait, on dort vraiment quand on veut. Donc, on peut prendre tous les plats. Voilà, parce que j'avais dit hein, que j'allais faire des repas, pardon. Enfin, on va prendre des plats aussi, mais c'est surtout les repas. J'avais dit que j'allais transformer pas mal de choses en repas, parce que c'est quand même mieux au final. Donc là, on a de la force, de la fatigue. En plus, c'est des délicieux. Là, au lieu d'avoir un point de bravoure en plus, on en aura deux en plus. Dégâts critiques, au lieu que ça soit 20, on a 25. Et après, on peut prendre le reste une fois. Donc ça, ça... ça, ça aussi. Ça, les ragoûts, j'ai pris les délicieux. Comme ça, ils ont du critique en plus. Dégâts contre les animaux. Après, ça, c'est pour vendre. Mais nous, on va pas vendre. Gain d'influence. Là, on a expérience et influence aussi. Ça, c'est très lourd. Hein, c'est 5 là. C'est les choses qui sont faites avec les corps humains. Vitesse de course. Collecte. C'est ou délice des coteaux ou choc des cultures. C'est l'un ou l'autre, on va pas prendre les deux parce que de toute façon il y a le même bonus là de fatigue. Je pense pas que ça soit cumulé, honnêtement. Je pense pas que ça se cumule d'avoir les deux, de prendre les deux. Après j'avoue que j'ai jamais testé, hein, mais on va pas le faire. Et vu qu'on a pris force, on va prendre un peu de dex. Et normalement on a tout. Ça c'est du dégât critique. Mais on a le 25%. Je vais être franc, hein, je sais pas si ça se cumule ou pas, j'ai jamais testé. J'ai pas envie de tester, parce que ça m'étonnerait que ça se cumule, parce que ça serait un peu abusé. Déjà que c'est déjà un peu abusé ce que je fais. Donc ouais, on est bon. Et on consomme 261. Alors oui, on consomme énormément plus hein, que nécessaire. Mais bon, comme j'ai dit, on a plein de nourriture. Bah voilà. Alors ça, 2 plus 1 plus 1. Donc on est à 14. Certains compagnons ont fait piquer leur fury. On est qui? Voilà, et on a aussi plein de bonheur en même temps. 72 de... Merde, d'influence. Des fois j'oublie le mot. On a généré donc 5 hydromel, 5 miel et 15 poissons séchés. Ça aussi c'est pas mal parce que... Quand on y pense, en fait, on peut se dire oui, ça fait beaucoup de gens et tout, machin, à nourrir. Mais rien que l'extra là qu'on fait, ça sert à les nourrir, en fait. Donc ouais, on perd pas du tout. C'est un peu abusé, ce que j'ai fait. Ah oui, il y a un truc que j'ai pas fait, c'est augmenter les niveaux des armes. On va peut-être aller le faire. Mais bon, ça demande beaucoup d'argent à chaque fois. Et là, vous avez le résultat. Voilà. Vous pouvez prendre 2 minutes pour lire tous les bonus qu'on a. C'est un peu abusé quand même. Donc de la constitution, des dégâts critiques, la surprise, la vitesse de course, l'influence, l'expérience, le mouvement, la force, la dex. Il y a plein de trucs. Du coup, on va changer un peu quelques personnes. Toi, tu peux rester comme ça. Parce que là, pour montrer, en fait, j'avais changé vraiment tout le monde en marmiton que je pouvais. Donc, on a 98. Donc, c'est bien. On va remettre les personnes qui sont normalement en force. Toi aussi, normalement, t'es en pêcheur. Je l'ai vraiment juste fait pour montrer. Hein, mais on n'a pas besoin de faire ça. De toute façon, on consomme pas énormément. Et après... Toi, tu vas te mettre en mineur, même si c'est pas trop de différence, il n'y a pas trop de différence. Donc voilà. Voilà, normalement, ça c'est mon équipe. Que, normal, voilà. On est à 108, donc ça change pas grand chose. Que dire d'autre? Ingran, oui, donc elle est passée niveau 10 la dernière fois, donc elle aussi, je lui ai mis un arc de feu, parce que j'en ai encore un d'arc comme ça. J'en avais 3 d'arc du fuyard niveau 9.
Donc j'en ai mis un et j'ai mis pareil. Donc ralentissement et saignement dessus. On est bon, on peut partir. On peut partir. Alors du coup. On a encore une mission là, une mission là. Alors comme j'ai dit, le village on le fera vraiment quand on sera niveau 11. Est-ce que vous voulez faire le boss? Il y a le pont aussi à faire. Ah bah attendez, on peut faire comme ça. Hop, on va faire le pont. Valeur traditionnelle, je sais plus ce que c'est. Et après, on va aller combattre le boss. C'est quoi les valeurs traditionnelles? Ah, trouver un moyen de libérer les esclaves. Ok, ça marche. Donc ouais, on va faire ça. On va faire le pont. Les esclaves, on verra ça plus tard, parce que je sais pas comment on les libère. Normalement aussi, j'ai blanchi tout ce que j'avais, donc il faut qu'on aille payer notre dette. On va aller... Ok, vas-y. You are wanted for a number of crimes. Thank you for your contribution. Merci. Voilà, vous voyez que on se déplace. Oh, il y a des ours normaux ici. J'avais pas vu. On se déplace super vite. Regarde, vous avez vu que ça descend pas la fatigue. C'est abusé, j'avais jamais vu ça. J'avais jamais en fait mis autant de marmitons d'un coup. Normalement, j'en ai un peu moins. Donc le pont. Ça met tellement de temps à descendre, c'est ouf. Complètement ouf. Puis c'est les bonus en fait, le fait d'avoir autant de bonus, quoi, c'est énorme. We're willing to buy any sandstone you have. We won't get paid until the bridge is fixed. It's a deal. We can get back to work now. Come back in a couple of days and the repairs should be done. Bah, parfait. C'était où c'est que je disais qu'il fallait un pont? Pas exactement. Non, moi c'était plutôt là, je crois. Enfin, tant mieux parce que ça nous permettra d'aller au phare apparemment. Ouais, apparemment il faut finir le pont pour pouvoir aller au phare. Ça c'est intéressant ça. Qu'est-ce qu'on a eu? Attends, quoi? Une chance de récupérer une partie des ressources utilisées en bricolage. Ah mais on en a déjà ça. C'est pas grave, c'est pas grave. Allez, go boss. Go boss. Parce que là, on est tellement boosté. Et on peut sprinter pendant longtemps aussi. On peut sprinter vraiment très longtemps. Ah, le camp. Camp discret. Est-ce qu'elle a le... Oui. L'objet là pour lui augmenter l'expérience qu'elle gagne. Ah, j'ai du mal à respirer, c'est ouf. Ça va aller, je vais pas mourir en vidéo quand même. Voilà, très bien. In Gosenberg and Alizar, everyone claims that their slaves are all former criminals. Quoi? It's a lie. In all of the kingdoms, bandits kidnap peasants and sell them to those barbarians from the north. Curse them all. Dans tous les royaumes, des brigands enlèvent des paysans pour les revendre les barons du nord. Ok. My own brother was abducted when he was just a boy. He must be a grown man now. I don't even know if I'd recognize him. Attends, de quoi ils parlent là, les gens? Are you here to hunt the ghost pack? You got the wrong camp, mercenaries. The tracker set up there is in the center of Drumback. Ah, okay. We too come from Harag, but with a different purpose. Despite the many treaties and peace accords between our kingdoms, Alizar keeps buying slaves from the bandits roaming our lands. We were sent by our clan to free our brothers and sisters who were captured by those miscreants. Attends, quoi? Alizar continue d'acheter des esclaves aux bandits qui sévissent sur nos terres. Notre clan nous a chargé de récupérer nos frères et sœurs enlevés par les citrons. Ah, donc les bandits capturent les gens d'Arag
et les vendent à Lazare, c'est ça? C'est ce que si j'ai bien compris. Should you wish to support our cause, we can afford to reward you. Enter the Icy Bay fishery after nightfall. Free the poor souls they're holding captive and bring them to us. We'll make sure that no soldier interrupts you. Ah, bah on a trouvé la façon de les sauver. D'accord. Donc c'est pour la pêcherie du coup. Faut attendre que la nuit tombe. Est-ce que... Il est déjà 12h. Honnêtement, si le temps qu'on aille au boss et qu'on revienne, ça sera trop tard. On peut attendre devant sans bouger. Il n'y a pas de vendeur ici, c'est quoi? Waouh, tout noir comme ça. On dirait que c'est une mer noire, vous savez, genre dans Death Stranding. 14h déjà. On peut... Attendez, on est vraiment pas loin, on est d'accord. Ouais, on va y aller. Cadavre. J'aimerais bien qu'il y ait une façon d'enlever le marqueur. Des fois, c'est un peu embêtant parce qu'il reste sur l'écran. Pour retourner sur la carte à chaque fois. On a pris un cadavre. Comme j'ai dit, est-ce que ça vaut le coup de faire ça pour récupérer plus de choses? Est-ce qu'on peut faire ça avec les cadavres? Fondu de... Non, c'est pas le fondu. Bah mince, j'ai pas les ingrédients. Ah non, il faut 3 corps, ok. Ça aussi, c'est bien d'avoir autant de place en fait, autant de marge. Vous avez vu, on est monté à 1855 parce qu'on a augmenté la constitution. D'avoir autant de marge en fait, ça nous permet de prendre des cadavres. Parce que les cadavres, un cadavre c'est 10 en fait, donc c'est vraiment chiant. Oh, il y a des loups. Il y en a beaucoup. 18h. Faut attendre que la nuit soit complètement tombée, hein. Pas le crépuscule. On va attendre. C'est peut-être le nouveau G Fuel que je suis en train de boire qui me bloque tout et qui me fait mourir. Parce que j'aime pas trop le goût déjà en plus. Ok, on y va. Je sais pas pourquoi je partage le fait que je suis en train de mourir. C'est pas intéressant. Alors. What? Harag is coming to rescue us. Quickly, quickly, the army could be here any minute. Ok, cassons. C'est marrant ça, de casser les rochers. Là. Sympa ça. J'aurais pas pensé à ça. En plus, on gagne de l'éthérite dessus. Vous avez délivré un esclave. Oh, faut tous les faire. Praise the ancients. Untie me, quick. Ah oui, je vous ai pas montré, il y a un plat que j'ai fait, mais on connaît... non, il y a un repas que j'ai fait, mais on connaît un seul plat sur les deux pour le moment. Donc ça, c'est un problème. My brethren are coming to free us. Praise the tools. Open this damn door. Don't leave me behind. Ok. Ah, y a beaucoup d'événements où il faut plusieurs skills en fait dans ici. On sent que c'est quand même une zone de fin quoi. Enfin, y a pas que les ennemis en fait qui sont au niveau. Y a aussi les événements je trouve. Donc c'est sympa. Il n'y en avait que 3 hein, en tout. Hein. Il y a 2 étoiles. Je pense qu'on est bon.
c'est ça. Bon, on peut pêcher avant de partir. Pourquoi pas? Ça va, la mission sauvetage se passe bien. On va plus avoir de problème du tout de poids, c'est abusé quoi. C'est abusé. On peut enlever des chevaux pour que ça coûte moins cher en nourriture aussi. Ça j'y avais dit déjà. Mais comme j'ai... Ouais, c'est pas grave. Allez, bon bah c'est... Normalement c'est bon, on a tout le monde, on peut partir. Qu'est-ce qui se passe? Il va falloir les aider. Those slaves are convicted criminals. They must serve their sentence. I order you to hand them over. Après, si c'est vraiment des criminels, parce que nous, on écoute ce qu'ils disent. Mais s'il faut, c'est des vrais criminels, hein. You dare claim that among the slaves your people buy, none are farmers kidnapped by bandits. It's up to the King of Alizar to prevent that. Not to a bunch of savages still caked in swamp mud. C'est pas faux. You there, mercenaries, help us drive away those wretches. We'll pay you well. Don't believe anything they say, mercenaries. They can't admit that they're abducting farmers in other kingdoms. Étampes, c'est pour la forge, ça. Je l'ai mis à Siléa, je crois. Non, je l'ai mis à Manut. Étampes, c'est ça. Il a une chance de créer un objet de qualité supérieure. Donc c'est vachement utile. Et encore, je vais être honnête, j'ai pas vraiment vu... J'en ai pas vraiment fait beaucoup, hein, des 3 étoiles. Même en utilisant ça. Mais ça veut dire qu'on l'a déjà, et ça nous sert à rien d'en avoir un deuxième. Et là, on a un bandeau de travailleurs. Bandeau de travailleurs, c'est ça. Qui a une expérience des métiers. J'avoue que le bandeau de travailleurs, c'est sympa, parce que du coup, ça m'évite de le changer. Après, le bandeau des travailleurs, je l'enlève, en fait. En fait, non, mais fin, les deux récompenses, c'est de la merde. Les deux récompenses, c'est nul. Après, je vais dire, on va pas trahir les machins, parce que il nous a demandé de le faire, on l'a fait, donc... ouais, on va taper à Lazare. Peut-être qu'on va récupérer des nouveaux arcs et tout ça. Ah, des nouveaux boucliers. Ouais, non, on va défoncer à Lazare. On va défoncer à Lazare. Parce que si on arrive à récupérer des boucliers de haut niveau, ça serait vraiment bien. Parce que honnêtement, faire des boucliers avec le nouveau métal, là, ça nous sert strictement à rien. Ils sont nuls, ces boucliers. Ils nous donnent déviation, je crois. Pas vraiment intéressant. Ce qu'il nous faut, c'est des boucliers d'Alazare. Il y a aussi celui-là, qui peut être pas mal. Donc ouais, mais en tout cas c'est celui-là que je veux, moi. C'est absolument celui-là. Alors, toi tu dois rester en vie, mec. Coureur. T'as pas beaucoup... Eh, ils ont... Oh, pardon, je voulais pas mettre pause. Ils en ont de la vie, hein. Ils en ont... Par contre, ce qui est bien, c'est qu'ils sont bien groupés. Ils ont combien de 3 groupes, du coup? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ouais, ok. Ah, mais faut pas se mettre en groupe comme ça, hein, contre nous, hein, les mecs. Hein. Là, vous avez signé votre arrêt de mort. Hein. Vous imaginez même pas, hein, mais vous avez juste signé votre arrêt de mort. Hein.
Vous mettre en groupe comme ça, c'est fini. Hein. Parce que là, on va faire beaucoup de morts d'un coup avec Philacte. Alors, là, je crois qu'on peut toucher tout le monde d'un coup. Je pense. On peut voir un peu. Sans le bouger, est-ce que... Ouais, on peut toucher tout le monde d'un coup. Oh là là. Ça là. Ok. Putain de sanglier à la con. Toi, tu vas te... Ouais, te mettre là, ouais, c'est bon. Nous, oui, on a le... On a l'ours. Non, attendez, là on a Johan. Je réfléchis un peu deux secondes, parce qu'on est beaucoup quand même. Faut pas qu'on soit... Qu'on se foute dans la merde. Bon, apparemment, ils ont pas l'air de bouger beaucoup au début. Donc ça va, on peut commencer avec... avec directement Philacte. Ok. Ah oui, mais là, c'est Cécilia, en plus. J'ai cru que c'était un mec de Al-Azhar. Non, non. Non, putain, mais ce groupe, il va se faire atomiser, quoi. Oh là, le carnage. Faut voir aussi nos stats, hein. Critique 55%. Ah, ils nous le disent pas. Oui, c'est parce qu'on est en combat, sûrement. Tiens, c'est bizarre. Pourquoi on n'a pas de... 28% de critique. On devrait pas avoir un peu plus? Avec toute la nourriture qu'on a? Enfin bref, c'est pas grave. C'est pas grave. Je suis quasiment certain que j'ai mis du critique. Voilà. Hop. Voilà. Donc, je crois que vous êtes tous morts. Hein. Oui, vous avez, je crois, c'est bon, vous êtes tous morts là. Fais gaffe au poison, abruti. Ouais, merci. C'est super utile ce que tu viens de faire. Alors. M'inquiète un peu le fait que je vois pas les critiques comme ça là. Qu'on soit très peu en fait en critique, c'est bizarre. Te mets pas devant tout le monde. Bon, ça va. Alors, on va jouer avec Johan, il va tuer tous les archers déjà. Voilà. Aussi, lui, il est devenu extrêmement puissant par rapport à la riposte. Genre, il a une chance qu'il riposte plutôt que d'en prendre une. Il y a Amor, enfin voilà, il est vraiment devenu très résistant en théorie. Et puissant. On a encore un archer là?
Non, pardon. Ça, c'est un... Comment ça s'appelle? Un berserker. Alors... Toi. Qu'est-ce qu'ils sont bien, ces ours. Alors, toi, il faudrait qu'on te... Ouais, on peut me bloquer. J'ai pas envie de taper, parce que sinon on va perdre le 150% là. Mais ça fait beaucoup de gens en fait, je sais pas comment on va les bloquer. Il faut les bloquer en fait, c'est con. Bah elle, elle peut. Voilà. Toi, ouais, toi c'est bon, tu devrais taper ailleurs. Je suis un peu lent, désolé, j'ai un peu de mal à me mettre là. Alors, fais voir un peu. On va faire comme ça, on avait dit qu'on faisait d'abord ça. Pour mettre du saignement. Ok, on a eu deux saignements. Faut que j'arrête de boire ce truc. Okay. On va se mettre là, comme ça, quand on va taper avec elle, ils vont se bloquer contre nous. On va se mettre comme ça. Ah, pousse-toi, toi. Ok, très bien. On peut faire ça. Bien. Bon. Ça a pas tué. Oui, ça m'inquiète là le coup des buffs là. On dirait qu'ils sont disparus nos buffs, c'est bizarre. Non ? Tu vois. C'est un peu étrange. On avait dit qu'on n'a pas besoin de... On a peuré partout ça. Alors... On va prendre mes nettes. Ménette, t'as combien de force? 87. Ça, c'est pas mal pour Ménette parce qu'il fait du 100% critique quand il est engagé. Donc, encore une fois, je le répète, le coup de lui avoir mis ce bouclier qui permet de contrer, parce que sinon, il peut pas le faire lui-même, c'est pas un épéiste. Et eh ben, c'est énorme, voilà, ça le rend méga puissant. Ça le rend super puissant. Alors, comment on peut faire? Ah, mais tu peux même traverser les ennemis, je pensais pas que c'était... Ah, je lui ai pas mis provoque à lui, c'est chiant, j'ai oublié. On va
Ouais, j'ai pas mis provoque. Donc du coup il peut pas genre engager, taper après, puis engager, puis retaper après. Toi je sais pas trop où tu vas aller, ça m'embête un peu. Bon bah hein, Filak, si tu te prends une baffe, tu te prends une baffe, qu'est-ce que je te dis. Faire après c'est prendre un chien. Ah merde, c'est un bouclier qui contre. Ok, on va faire ça alors. Très bien. Ouais, c'est un bouclier qui le fait contrer, donc on va pas j'ai bien fait de le voir au dernier moment. Donc comme ça on tape pas avec. On pourrait faire un truc drôle hein. Putain. Tu vois, 110 avec celui-là. Ouais, c'est bon. Très bien. Très très bien. Pas mal, hein? Le coup d'avoir plusieurs arcs. C'est pas mal, hein? Toi tu vas mourir. Toi aussi tu vas sûrement taper ça, ça va. Toi tu vas sûrement taper Siléa. Ouais, on est tranquille. On peut se faire les autres, y'a pas de problème. On peut tuer tout le reste. On est nickel. Ah bah oui hein, tu t'es pris une belle baffe hein, c'était à prévoir. Hein. Toi t'as déjà apeuré. Hein. Même pas de critique, t'es sérieux? Oh bah non alors. Faut faire durer notre bravoure hein, si on dort plus. Mais vous avez vu le... C'est pour ça que je me dis qu'une fois qu'on sera niveau 11, mais on sera invincible. Parce que vous avez vu comment elle résiste à tout? Avec autant d'armure, mais il n'y a personne qui enlèvera notre armure. Hein. Je le dis encore, hein, la seule façon qu'on crève, c'est par la vie en fait. Bah en gros, c'est ce qu'on leur fait à eux, par exemple. Oui, c'est vrai que... Nous, c'est ce qu'on est en train de leur faire en fait. C'est de les tuer par le poison et tout ça. Elle va taper deux fois avec sa... Ça fait quoi ça? Affaiblissement, 6-5 critiques. Ouais, ça va, c'est pas trop grave. Oh! T'es pas mort! On va remédier à ça. Alors, est-ce qu'on peut aller l'aider? Parce que c'est vrai que je l'ai un peu mise dans le pétrin, peut-être. On peut, vite fait.
Elle va devoir tanker, hein. Ça va. Elle a de la volonté et tout ça. Elle va pas crever non plus. Par contre, je vais peut-être taper avec le moustique. Pour mettre le poison, en fait. Oh, joli. Joli, joli. Ça va. C'est bien ce qu'elle a tapé avec le son épée en premier. Puis après avec le bouclier fait moins de dégâts. Du coup, le coup d'épée, il est passé dans la déviation en fait. Moins 70% de dégâts. Attends, c'est qui joue là? Ah, toi, tu vas mourir. Il ne reste plus grand monde. Tada! Joli. Ce serait bien que tu le tues. Ok, d'accord. Très bien. Yes. Niveau 13. Parfait. On a les lances. Les lances sont pas... Ah, il y en a une de une étoile. C'est déviation sur un critique, c'est bof. Par contre, ça, c'est bien aussi. Narcitalazar, c'est cool. Bon, ce sera pour niveau 12, hein, donc c'est... on a le temps. On a vraiment, vraiment le temps. C'est cool. Je peux prendre les cadavres. Tiens, il y a Miguette. Est-ce qu'on la désengage souvent, elle? Pas vraiment. Se désengager, c'est pas vraiment son style, en fait. Donc, on va prendre ça. J'ai toujours pas utilisé cette attaque. Cette habilité. Je sais toujours pas comment elle fonctionne vraiment. We were supposed to watch your backs, but there were too many soldiers. Without your help, we would have all died. Ouais, vous avez fait de la merde. Encore heureux que j'ai récupéré un super bouclier de tout ça. This patrol was running towards the fishery. We had no choice but to attack them, or they would have caught you in the act and taken the slaves. Even though it didn't exactly go as planned, what matters is the result. Please accept this reward, as well as our gratitude. We're going back to the camp, but as soon as the weather allows, we'll run straight to Harag. Mm-hmm. Mouais, mouais, mouais. Ok. Bon, bah on a fini ça, c'est bien. Non, mais ça va, c'est des... C'est une bonne prise. C'est une très bonne prise. C'est une très très bonne prise, donc je suis content. Alors... Velouté de voyageur. Pas mal comme ça. Ça offre encore plus d'influence. Hey, go boss.
chercher maintenant. Délivrer un esclave. On a délivré 3 même. Oh! What the fuck? Je sais pas pourquoi il y a écrit 0. Ah mais non, c'est parce qu'on a déjà payé en fait. Je sais pas. Ça me l'a fait plusieurs fois. Je crois que quand on prend le voyage rapide, si vous vous rappelez, à un moment je l'avais pris, j'avais expliqué que je l'avais pris pour... Allez, trouve un endroit, bordel. Et j'ai dû payer, et je sais pas, après j'ai eu aussi pareil, genre... payer pour 0, alors que j'avais déjà payé en fait. Je crois que ça a foutu un peu le bordel. C'est con parce que je vois pas vraiment la corde en fait. Ouh, on a récupéré 2. Oh, il y en a beaucoup. Il y a un boss et 3 mecs, je crois. 4, non, 3. C'est sympa de pouvoir récupérer tout plein de trucs. Hop là, 2 à chaque fois. Putain, ça tue. La caverne oubliée. Ok. Ah non, bon là, on retourne sur le boss. Je suis en train de nettoyer mon écran en même temps, parce que vu que c'est tout blanc, maintenant je vois qu'il y a des traces encore. Oh, faut que je me concentre. Est-ce qu'il y a d'autres objets ? Oh, il y a un python là. Ah mais non, mais oui, on avait mis ce python là, ok, je me rappelle. Bon ben, fais voir un peu la gueule que t'as. I don't sell my relics to just anyone. I mean, just look at you, mercenaries. All of your equipment combined isn't worth even one of my artifacts. Tout ce qu'on a, ça vient ou de temples. Enfin, en tout cas pour les armes, ça vient de temples ou de personnes comme toi qu'on a tuées. Oh, you're here to arrest me. You're welcome to try. I bet you won't manage to lay a hand on me. Deux truands, deux braconniers. Élite. On aurait retrouvé trace du contrebandier Christophe Krupp à Drombach. Plusieurs royaumes sont prêts à payer pour le voir disparaître. Honnêtement, c'est pas très cher... payer. Et avant ça, je crois que je vais changer ma boisson. Il faut que je boive un truc. Et ce que j'ai pris, ce G Fuel, il est dégueulasse. Pour ceux qui sont intéressés, c'est le Blood, Sweat and Tears. Et c'est vraiment pas bon. Je reviens. Et on est de retour. Alors. Christophe Krupp. Enfin, il a pas beaucoup... Ah, c'est encore une dague. Attaque handicapante. Alors, dégâts à cible, lui applique un de poison ainsi que ralentissement et réflexe lent. Ouais, c'est pas mal, réflexe lent. Alors, légère et effilée, l'arme de Christophe n'a pas sa pareille pour trancher des gorges. Ok, ça va être bien pour notre folle. Elle. Pour Berthe, ça va lui remplacer ça. Mais bon, quand elle sera niveau 12, j'imagine, c'est bien, on aura le temps. Alors, qu'est-ce que t'appelles des hors-la-loi en renfort? Esquive entièrement la prochaine attaque subie, retirée s'il se déplace. Chaque fois que cette unité inflige des dégâts en étant engagée, elle échange la place avec un allié non engagé à moins de 15 mètres. L'allié s'engage et subit une attaque d'opportunité. Si aucun allié n'est à portée, échange la place avec l'ennemi engagé. D'accord.
Il y a un truc qu'on devrait avoir aussi, c'est peut-être pour augmenter la défense. Parce que je l'avais dit à un moment, on n'a pas ça. On n'a pas l'augmentation de la défense. Ça on n'a pas. C'est le seul... j'ai envie de dire, c'est le seul buff qu'on n'a pas. Et... j'avoue que ça serait intéressant de l'avoir pour des combats comme ça. On a attaque, on a... On a plein de trucs, on n'a pas la défense. On voit pas grand chose, hein. Je suis désolé de combattre dans cette neige, mais... Je vois que c'est un peu la merde. Bon, il y en a un qui est caché ici. Bon, les truands, c'est... Ça va pas être très très compliqué de se les faire. Alors toi, du coup, tu vas nous faire quoi? Tu vas nous faire... Une attaque. Bon, tu fais très mal par contre. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est limite... Putain, j'arrive pas à savoir où sont mes gens, quoi. Je vois tellement rien. Attends. Ok. Du coup, tu vas esquiver la première attaque. Alors, je crois qu'on va faire d'abord lui. Comme ça, on va empoisonner tout ça. Et après, on va envoyer Johan sur Christophe. Alors, est-ce que tu vas vraiment esquiver, genre, la première attaque? Ok, esquive. Maintenant, tu l'as plus. Putain, t'as ça en permanence s'il y a 3 ennemis? À moins d'être adjacent à 3 ennemis. D'accord. Est-ce que le poison, ça passe? Ça, est-ce que ça passe? Non, ça passe pas. Donc du coup, on peut faire ça. Voilà. Pourquoi tu prends pas Allô? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu prends pas Rage? Bizarre. De toute façon, ça sert à rien de faire ça. On est d'accord que ça sert à rien. Oui, voilà. Et ouais. Tu marches dans le poison. C'est trop bon. Ouais, par contre, toi, tu fais du poison, ça c'est relou. Ah, j'ai pas regardé où était Laura. Ah, j'ai dû merder ça. Ça va. Il faut ramener plus de gens en fait vers lui, comme ça on peut lui mettre des dots et tout ça. Faudrait le tuer. Oh la vache.
Ah, vache, c'est pas mal. Très bien. Alors, c'est à moins de combien de mètres? Ah, adjacent complet en fait, d'accord. Qui c'est qui peut empoisonner sans avoir à attaquer? Bah, personne en fait. Personne. Ouais, ça c'est un peu bête. Toi, on pourrait te mettre à côté. Je vois pas pourquoi ils prennent pas rage. Ça me rend fou, ça. Ah, enfin. Et toi, t'as pas pris rage. Ah si, t'as. Je sais pas. Ah, c'était pas les bandits qui... Peut-être qui nous bloquaient rage. Bon, ça sert à rien d'attaquer de toute façon. Bon, bah, il y a juste à te faire tourner en bourrique, c'est bon. Genre là, t'as plus esquive. Ouais, quand il est encerclé, il a plus esquive. Attends, ça va être la merde. Oh, je vais pas pouvoir le faire. Je vais pas pouvoir. Ah, je peux pas. Je peux pas. Bon, c'est pas trop grave. Qu'est-ce qu'on va lui faire? Ouais, maintenant on peut lui mettre saignement par exemple. Ah, c'est con, j'aurais pas dû me mettre derrière. Ah merde. Ah, j'ai merdé là. Oh, on aurait pu le défoncer avec Tarus. Ouais, on va lui mettre saignement. Comme ça, c'est fait. Est-ce qu'on peut se mettre de l'autre côté? Ouais, comme ça. Ah, c'est bien de pouvoir passer à travers les unités, c'est abusé. Alors toi, t'as pas intérêt à nous faire chier, par contre. Non, casse-toi. Bon, ça va. Reste de ce côté-là. On peut faire plus ou moins ce qu'on veut. J'ai un peu merdé avec Laura là. Un peu déçu. Est-ce que je peux échanger ma place avec Laura et bouger après? Ah, tiens, on va tester. Genre, est-ce que je peux faire ça? Non, on peut pas faire ça. Non, faut que ça soit sûrement quelqu'un. Oui, non, ça c'est quelqu'un qui est engagé en fait. Du coup. Un peu de la merde ce que je fais. C'est pas mal.
Il a saignement, du coup il va se prendre masse de poison. Un petit 4 de plus. Voilà. Ah mais là je pourrais plus taper. Ah c'est chiant ce combat. Ouais là il faudrait défense supplémentaire. Enfin, après on est méga résistant hein, comme j'ai dit. Hein. Mais c'est vrai que j'avoue que un petit peu de défense ce serait sympa. On va pas consommer les poisons, on va pas taper avec lui. On peut peut-être taper avec lui s'il va faire super mal. Pas mal. Joli. Pourquoi il se prend lui une attaque, fais voir. Chaque fois que vous avez fait des dégâts en étant engagé, a des chances de place avec un allié non engagé à moins de 15 mètres. Bon, maintenant il n'y a plus d'allié. L'allié s'engage et subit une attaque d'opportunité. Ah, il subit une attaque. Si aucun allié n'est à portée, il change la place. Ouais, il subit une attaque en fait. C'est débile. Enfin, c'est con pour lui quoi. J'ai envie de dire. Ok, on peut mettre. On peut mettre Ménette. On a plus. Ah oui, c'est un voleur, on a plus de force que lui. Oh la vache, c'est énorme. Du coup. Si on veut faire que du critique, il faut l'engager. Même si je l'engage maintenant. Affaiblissement. Bah, tu l'as déjà, donc vulnérabilité du coup. Bon ça c'est pas très compliqué comme combat. Surtout que bah, si vous avez du poison en fait ça marche très bien quoi. Parce que là honnêtement quand son tour sera fini il sera mort. Hein. Voir combien de dégâts tu vas te prendre. Alors 1900 ça va. Plus 300. Je pense que ça va. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Pensez à le tuer maintenant. Là, ça m'énerve que je puisse pas me mettre derrière lui. ...1077. On lui fait un critique automatique parce qu'il a vulnérabilité et du coup avec tout le poison, on est à 1077 de dégâts. Ça vaut un screenshot. Voilà. Get some rare things on sale, stranger. C'est le succès. Bon bah c'était cool. C'était le boss. Par contre j'aime pas du tout qu'on ait en tempête là, c'est une catastrophe. Non, on va regarder. Ah ouais, on va faire eux. Bah ça c'était pas très très difficile honnêtement, ça va. C'est sympathique le fait qu'il puisse pas qu'on puisse pas le toucher en fait s'il est pas adjacent à 3 alliés, enfin 3 ennemis pour lui, et après qu'il ait chance à place et tout ça, c'était vraiment cool, j'ai beaucoup aimé cette mécanique, mais bon après pour notre équipe, mais ce qui est bien c'est que même si on avait par exemple, même si on n'était pas aussi autant, aussi nombreux et qu'on avait des problèmes avec ça, on a du poison. Le poison passe, et honnêtement, il allait prendre très cher. Je crois qu'il avait quoi, 1800 de vie? Ah ben oui, mais il avait, je crois qu'il avait vraiment ça, il avait 1800. C'était 1800 quelque chose de vie et 1800 quelque chose d'armure.
Donc il aurait été one shot en fait. Il aurait été one shot avec tout le poison. Ouais, il faut niveau 12. Ouais, c'est bi. Enfin, cette dague elle est bien, mais au niveau 12, putain, on a le temps. On a le temps de voir. C'est pas super intéressant en fait, hein, l'attaque, j'avoue. Pour faire des dégâts. Le mieux reste celle de Tarus en fait, pour faire des dégâts. Si on arrive à mettre plein de poison, là comme on a vu, hein, le mec il allait faire un mille et quelques. Le pire, ça serait mettre, mettre la dague de Tarus sur lui. Sur Laurent, en fait. Avec plus 100% de dégâts en plus. Ça serait drôle. Mais bon, on va garder la sanction de Bénédicte là, c'est quand même plus intéressant pour lui. Ça lui permet d'aller one-shotter des gens en fait, la plupart du temps. Mais je dirais que, ouais, la dague, ça serait bien sur Berthe. Parce que elle, on va pas pouvoir l'augmenter. Donc du coup, ça sera trop bas. Et vu qu'elle met des altérations, vu qu'elle peut taper deux fois à chaque fois, bah du coup elle pourra mettre poison x2. Genre deux fois poison. Donc ouais, c'est cool. Sinon, quand je parlais du buff de défense, je crois que c'est eux. Non. C'est les épéistes qui ont ça aussi? Ouais, ils ont... Non. C'est qui a ça? Ah si, protecteur. L'unité et tous les alliés dans la zone gagnent protection. Dégâts réduits de 30%. Ouais, c'est les seuls. C'est les seuls qui font ça. En AOE, je parle. Mais après, du coup, bah, vous perdez l'attaque, quoi. C'est bête que ça soit sur une habilité principale. Parce que si on lui enlève la frappe, si on enlève la frappe déstabilisante à Duan, Duan il fait plus grand chose, quoi. Non, on va pas l'enlever, hein, mais c'est juste pour être sûr. C'est bien ça. Mais bon, comme j'ai dit, de toute façon, je crois que quand on sera au niveau 11, c'est fini. Oula. Quoi? Attends, on se fait attaquer par qui? Attends, ah mais c'est la police. Ça va. You are wanted for a number of crimes. We will not let... Thank you for your contribution. De rien. Putain, ils m'ont fait peur, c'est cool. Alors, on peut monter. J'ai vu les fous là. J'ai pas vraiment envie. Non, il y a pas de python. J'ai pas envie de me les farcir. Oui, et la nourriture dont je parlais, pardon, parce que je parlais de la nourriture, non, je ne l'ai pas montré. Le festin du roi, j'en ai fait un. C'est pas mal hein, ce que ça fait. Vitesse de déplacement dans la neige, 20%, donc ça serait ici, ce serait vraiment cool. Si la troupe est recherchée, vitesse de déplacement dans la neige augmente de 20% encore. Gain de crone pour les combats dans la neige et d'influence dans la neige aussi. Donc c'est pas mal ça. Sympathique. Mais on connaît un plat sur deux. Je crois. Voire pas du tout en fait. Non, voire pas en fait. Je crois que je les avais achetés tout simplement. Ouais, je crois que je les avais achetés. Ça doit être des repas qu'on connaît pas encore. Enfin, des plats qu'on connaît pas. Ah, faire gaffe, il y a les fous. Je crois qu'eux ils nous attaquent, hein. Pour de vrai, hein, eux ils nous attaquent. T'as commencé à se déplacer vite, c'est top. Niveau 12. Alors là, je suis dans l'optique d'avancer un peu l'histoire principale. D'avancer l'histoire principale. Il y a des gens derrière ou pas? Un, sûrement un groupe là.
Un groupe là et un groupe là. Trois groupes. Ouais, d'avancer l'histoire principale. Et monter de niveau en fait. Du coup. Et monter de niveau. Et une fois qu'on sera 11, on ira faire. On ira faire le village maudit. Et tout ce qu'on a à faire. Genre les trucs un peu difficiles, genre le temple, le village maudit et tout ça. Je sais pas qui joue. C'est embêtant ça. On peut passer ? Ouais. Ok, très bien. Toi, t'es mort. Oh, la salope, quoi. Amuse-toi à taper plusieurs fois l'ours. Merde. Il y en a d'autres dans la neige que je vois pas. Enfin, qui vont jouer que je vois pas. Ok, celui-là. Combien de rage? T'as pris de la rage quand tu t'es fait... Oui! Non, non, pardon, non. Si, renvoie les dégâts. Ça, c'est une bonne idée de taper plusieurs fois les ours blancs. Super idée. Bien joué, les mecs, bien joué. Vous allez kiffer le résultat. Sérieux, t'es pas mort? Yeah. Joli. Le fait qu'il... Il passe du critique tout le temps, lui, c'est ouf. Quand il a engagé, quoi, c'est complètement absurde. Ouais, lui. Parce que eux, il y a des alliés à côté, donc du coup, on va pas pouvoir faire double dégâts. Ouais, voilà. Va falloir que tu te réveilles un peu, toi. Hein. J'ai l'impression que tu t'es un peu endormi. Tu fais moins de dégâts. Moins de dégâts qu'avant. Arrête de t'énerver, l'ours, là. Tu piétines le sol, là, ça rend fou. On va se mettre là. Voilà, mon dieu. Et en plus ça trigger sa rage quoi. En plus ça trigger sa rage. Non mais s'il te plaît quoi. Ah.
toi. Ah putain. De 110 de vie, ça va. Je voulais un peu m'amuser avec la, avec ça. Ça fait un peu mal, mais ça passe. Très bien. Il balance un couteau. Pas une hachette. Oh, t'aurais pu le tuer quand même. C'est bizarre, on dirait qu'il est engagé à l'envers maintenant. Eh ouais, tu. Oui, tu contres en critique à 100%. Ouais, il est engagé à l'envers. Donc quand lui il tape, du coup il tape où? En face ou dans le dos? C'est une question legit, non? Si on est. On, attends, qui c'est qui a la, l'habilité là? Je voudrais bien tester l'habilité. Je vais jamais pouvoir la tester en fait. Toi tu l'as, mais t'es loin. Aïe aïe aïe. Même pas de dégâts. Histoire de... C'est bien de mettre vulnérabilité et après... très bien. Et après de faire péter une bombe, parce que les bombes font super mal quand même au final. Vu que c'est basé sur la vie, c'est, ça devient de plus en plus utile en fait, c'est abusé. Il n'y a pas de raison de ne pas utiliser de consommables maintenant, tellement qu'ils font mal. Du coup, je peux faire ça. Oh la vache. C'est bien. Si tu vas mourir, tu vas pas mourir. Toi, ah yes, va engager lui. Bon, 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 c'est déjà fait, c'est déjà fini. N'a pas tapé deux fois, rien. Toi tu vas mourir. Toi il faut qu'on te finisse. On va devoir se reposer. Pour récupérer de la bravoure je pense. Comme je l'ai dit on n'a pas vraiment besoin, on doit être encore à la... On tue tout le monde ou pas? Ouais, du tout. Comme ça, on rentrera. Ah, vous savez que j'avais mis visé sur le jet perforant, là, et ça fonctionnait, je l'avais montré. Vous savez ce qui fonctionne aussi? Kourou sur les archers, ça marche. Mais, c'est des attaques de mêlée.
Mais ça fait mal parce que c'est basé sur leur dex en fait. Kourou c'est basé ou sur la force ou sur la dex, ça dépend de l'arme en fait. Donc du coup ça fait super mal. Je vais essayer de le montrer. Mais je crois que j'ai joué les deux. Oui j'ai joué les deux archers pour le moment. Il y a que elle, il faut que je lui mette Kourou aussi. Tant qu'on y est. Mais ouais, donc du coup ça permettrait de, genre si jamais, non, je peux rien faire en fait. Amara, elle a plus du tout de. Mais il a déjà joué lui ou pas? Pourquoi je peux pas cibler le mec, la flèche? Il est où? Il est dans la brume? Sans déconner. Ça, j'aime pas par contre. Oh l'enfoiré. Chut. Il le fait sur lui. C'est Phila qui avait pas le. Qui avait la vulnérabilité en plus. Abusé quoi. Ouais, mais ouais, je vais essayer de vous montrer Kourou. Du coup, ça fait une troisième attaque. Bon, bien sûr, c'est un peu compliqué à placer, parce que c'est pas vraiment le truc qu'on va placer. Honnêtement, il y a tellement de brouillard que j'ai tellement du mal à me repérer sur le terrain. C'est très chiant. Mais ouais, ça fait une troisième attaque si jamais l'opportunité se montre. C'est plutôt cool. Ah, le combat bien relou. Hein. Dans la. Non, on combattra plus ou j'essaierai de plus combattre dans la tempête. Catastrophe. Bon, toi faut qu'on te tue parce que toi tu vas nous faire chier. Je crois pas que je vais y arriver. Là. Ah, si je fais ça. Non, ça marche pas. J'essaierai de vous le montrer, le Kourou d'un archer. Ça fait une attaque en fait au corps à corps, sympa, c'est stylé. Ah, là on peut le faire. Est-ce qu'il y a un archer qui est plus proche? Ingran qui est là. Oh, ça fait beaucoup de bravoure utilisée pour rien. Ah, juste. Ah, attendez, je peux vous le montrer quand même. Attention. Hop là. Sympa, hein. Coup de poing comme ça. C'est sympa. Ouh. Alors, dégâts de cette unité sont augmentés d'un montant égal à la moitié de sa garde. Ouh, la rondage du porte-paix. Selon la rumeur, on aurait déjà vu des frères enfoncer des portes avec leur seul rondage comme bélier. Les dégâts de cette unité sont augmentés d'un montant égal à la moitié de sa garde. Waouh.
Mais ça va se faire super mal. Non? Bon, il faut qu'on rentre. Mais je vois rien. Enfin, faut qu'on rentre. Techniquement, non, on peut dormir où on veut. En fait. On va récupérer notre... Ah, 1000 piles. Marrant, ça. Merci. Ah tiens, toi aussi tu demandes le phare. C'est cool. Ah oui, c'est vrai qu'on doit attendre aussi que le pont soit fait. Donc ouais, très bien. Donc c'est pas une mauvaise idée en fait de dormir. I don't know if I'm allowed to rent rooms or sell my master's recipe. Ah! Les recettes de son maître. Oh, c'est sa gueule. Du coup, ça explique pourquoi on n'a pas les plats. Et j'avais pas fait attention en fait, j'avais pas pensé sur le coup. C'est l'aubergiste qui doit nous les filer. Faut le trouver le mec. Ouais, il y a ça, le rôti en sauce bleue. Tellement une portée d'agression plus petite et tout ça, etc. Ce bouclier, il a l'air terrible. Maintenant que j'y pense, le bouclier, il va faire super mal. Ça peut être intéressant... Après, c'est compliqué en fait d'enlever ça. Mais là, ça va vraiment augmenter les dégâts. Un truc qu'on pourrait faire, c'est. Parce que Silea, elle est à 50. Toi, t'es à 60. Pourquoi t'as autant? Ah, parce que Silea, c'est pas une armure lourde. Ouais, Silea, c'est pas une armure lourde. Les dégâts à cette unité sont tout le monde. Genre 25, mais quoi, 25% ou 25 dégâts? Parce que honnêtement, si c'est 25%, c'est potable. Hein. Mais c'est pour ça que je me dis, est-ce que ça vaut le coup de perdre le fait de pouvoir contrer? Je pense pas. Là, ça lui enlèverait une attaque. Ah, c'est chiant. Ordelus, elle perdrait le fait de pouvoir mettre un coup aussi. Enfin, à la limite, elle, j'essaye de pas trop utiliser de la bravoure avec elle. Ah, elle pourrait... Bah, elle pourrait le prendre, en fait, je suis con. Bah, attends. 71. Ouais, mais ça le montre pas. Ouais, non, ça le montre pas. Montage de porte-paix. Faudra voir en combat. On va poser des trucs. Mais il faut voir en combat si ça augmente du coup les dégâts. C'est possible que ça le montre que en combat en fait. Sans garde. Il y a une hallebarde en une étoile, on va la garder. Ça sera aussi pour plus tard. Bien plus tard parce que le temps que un de nos persos soit 12, on a le temps. Hein. Pense que j'ai peur qu'en fait on ait arrêté le jeu en fait d'ici là. Je vais être franc, je pense qu'on va tout finir en fait avant d'être niveau 12 largement. Ok, on dort. Qu'est-ce qu'on fait? On passe ouais, on dort. Ça.
Volonté du voyageur. Ah, ça peut-être que ça fonctionne pas en fait, parce qu'on avait que 10% de plus. Regardez. Critique. Chou farci. Farci est bourreau. Il n'y a pas... Il n'y a pas 20% parce que là, normalement, on devrait avoir 10. Et 10. Donc ça, ça marche pas. C'est ou l'un ou l'autre, je pense. Donc, ouais. Bah, du coup, on peut descendre. Par contre, on a utilisé énormément de bravoure. Sur la fin, j'ai un peu fait de la merde. J'aurais pas dû utiliser autant de bravoure, mais bon, c'est pas grave. C'est pour vous montrer l'attaque. Le pont de la Brève a été reconstruit. Parfait. C'était vraiment pour vous montrer l'attaque Kourou des archers. Je n'ai jamais douté qu'on vaincrait Christophe. La seule chose qui me manquait était l'équipement adéquat. Point d'attribut, relation... Notre république galvanisée. Ah, qu'est-ce qu'on peut te mettre? On te met encore de la dex. T'as gagné 1% de critique en plus. Ouais, ragout, 10%. Ouais, on peut. Ça sert à rien de mettre les deux. D'accord, ça marche. Bon bah voilà, là on fait une. On fait de l'économie de nourriture, c'est pas mal. Ah, je suis un peu fatigué, j'avoue que j'ai du mal à bien me concentrer. On a 9 de bravoure, ouais, ça va. Encore une tempête à la con, c'est relou. On va aller faire ça, parce que je veux faire ça, moi. Je veux faire ça et après on mettra fin à notre épisode. C'est quand même une force hein, de pouvoir moins utiliser de nourriture et tout ça. C'est... Même si j'ai beaucoup de marmitons dans l'équipe, même mes persos principaux, hein, même mes compagnons en fait, sont souvent marmitons. Du coup ils gagnent juste en vie, bah ça aide quand même. Ah, on peut aller sur le pont. Est-ce qu'ils sont toujours là, les gens? Ah oui. I'm so proud of what we've accomplished. J'avoue. You've left your mark on Drumback. Il y a mon nom dessus, non? So many buildings need to be rebuilt. I deserve a little break now and again. Il y a pas mon nom dessus. Hein. Ah, un crâne, ça va être un long combat, j'imagine. Phare des glaces. Oh, il y a un truc là sur le côté. Découvert un secret. Est-ce que j'ai mis le fait de récupérer plus de ressources? Oui, 25% de récupérer une bonus. Ok, ça marche. Il y a des renforts? Non, il n'y a pas de renforts. Il y a zéro renfort. C'est bête. J'aurais bien fait une combat. Bon, peut-être pas maintenant, parce qu'on a enfin un épisode, mais... je voudrais bien faire un combat à un moment où on a pas mal de renforts. Ce serait marrant. Ce serait assez drôle.
Très bien. Ok. Peut-être un peu trop de d'ours. On n'a pas de tank. Enfin, si, on a l'ours. Ok. On va juste bouger Laura. Comme ça. Ouais, comme ça, c'est pas mal. Là. C'est parti. Alors, toi, c'est bon. Après, il y a toi. Elle faudrait la jouer plus tard, genre quand elle est boostée à galvanisation et tout ça, j'avoue. Mais elle est tellement pratique. On peut faire 3. Le problème, c'est que je touche que lui, celui de droite, c'est con. Enfin, je suis adjacent que celui à celui-là, donc du coup, elle peut contrer que. Enfin, elle peut retaper que ce sur lui-là, c'est bête. Vous avez compris ce que je veux dire. Très bien. Hop. J'avais dit hein, qu'elle était vraiment puissante. Hop, coup de bouclier. Ça qui est pas mal avec son coup de bouclier, ça lui permet de retaper en fait. C'est pour ça qu'elle est vraiment intéressante. Ah tiens, on va regarder les dégâts de l'autre. C'était quoi, 71? Je crois avec sa masse, un truc comme ça. Elle est où? Je l'ai mis à gauche, je crois. Hein, 79. Maintenant? Ouais, 79, 104. Quoique, attendez, c'est peut-être parce qu'il y a motivé, en fait. Les dégâts de cette unité sont augmentés d'un montant égal à la moitié de sa garde. Ouais. Je sais pas. Bon, si, peut-être que ça marche. Hein. Enfin, ça, c'est parce qu'il y avait de l'armure, en fait. 50% contre... Ouais, je sais pas si ça marche, en fait. Je vais être franc, c'est un peu compliqué à voir. C'est pas facile. Pas très simple de voir ce qui marche et ce qui marche pas. Alors. Ah, enlève-toi, toi. Je vois rien. Ouais. Pas mal, pas mal. Ça l'a engagé. Ah oui, parce qu'en fait, son deuxième coup a l'air d'être séparé en fait du premier. Donc ça engage, comme si elle tapait. Comme si elle tapait seule, en fait. C'est intéressant. Si la cible a engagé avec cette compétence, il applique fragilité pendant un tour. Thank you.
Eh ben. Très bien. J'ai l'impression qu'il y a moins de... Durant notre... Notre aventure, j'ai l'impression qu'il y a moins de combats avec des renforts. Je trouve. Ah, attends, attends. Yeah, je peux échanger, faut voir comment ça marche. Hop là. Oh, ça tue! C'est un critique ou pas? C'est un critique. Ok, alors lui, par contre, il est devenu super puissant par, par rapport à ça. Parce que là, il fait critique automatiquement, donc l'échange... Que moi, je pensais que c'était un, une attaque d'opportunité de la personne, en fait, qu'on prend la place, mais en fait, non, c'est du, c'est quand il arrive. Donc, du coup, il prend une baffe. Enfin, il met une baffe à la personne quand il arrive. Putain, ça tue, et du coup, ça lui permet de passer en plus à travers. Ah, ok, ok. Alors lui, c'est devenu... C'est devenu abusé parce que du coup il est considéré comme engagé, donc il va faire un critique automatiquement, quoi. C'est ouf, quoi. C'est complètement ouf. Alors, on va s'amuser avec du poison là. Incroyable. C'est pour ça qu'on voit que c'est quand même un super RPG, parce que tu peux tellement t'amuser à faire plein de types de builds qui fonctionnent. Et comme j'ai dit, hein, dans ce jeu, tout est valide. Hein. Faut pas croire que... là, ils sont quasiment tous morts. Faut pas croire qu'on puisse pas faire certains trucs. Tout est valide, honnêtement. Alors lui, fait voir un peu la puissance qu'il a. Hop, il se désengage, il tape à la place. C'est bien, ça commence bien déjà. Cool. Hop. Il a tapé qu'une fois, on se désengage. Hop, riposte. Pff, n'importe quoi. Tada. Il est tellement économique en plus en bravoure, c'est incroyable. Genre il consomme quasiment rien du coup à faire ça. Non, on peut tuer tout le monde. On peut facilement tuer tout le monde. Très bien. Elle est très bon dégâts elle aussi. Hein. Vu qu'elle a le critique bien boosté, les dégâts sont très 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 potables. Bon, bah c'est bon. Tout le monde est mort. Mmh. Joli. Fais voir. Clé mort du criminel. Je crois qu'on l'a déjà, celle-là. Celle-là, on s'en fout. Ouais, après, le reste, on s'en fout.
13 cadavres, ça fait beaucoup quand même, 13 cadavres. Yeah! 700. On est pile dans les temps pour mettre fin à l'épisode. On est toujours à 9 de bravoure, ça va. Alors, rapport militaire, très bien. Dégâts augmentés de 5% sinon adjacent à un allié au combat. Ouais. Cuirasse des trackers. Ouais, joli, sympa. En plus, c'est une étoile, c'est pas mal. Ouais, une étoile avec un emplacement renfort, c'est pas si mal. C'est pas si mal. On en utilise hein, des crochets. Oh mon dieu, il y a combien de caisses? Oh, 3 d'affilée, ça fait beaucoup quand même. Hein. C'est pas le mini-jeu le plus fun. Hein. Ah la vache. Faut que j'en fasse des crochets. C'est bon? On peut parler aux gens maintenant? Ah, vache. Kill me if you want. I won't try to stop you. Now that my outlaw days are behind me, I refuse to fight. Okay. My former colleagues were struck down by the Eye's Reckoning while crossing the Pitter Bridge. That was a wake-up call for me. Ah, c'est pour ça que oui, il a été détruit, c'est vrai. If you want to help, take me to Saint Serene Church in New Astel. I wish to confess my sins to the priestess and take the cloth myself. D'accord. Cool. Cool, cool, cool. Je crois qu'on peut partir. On a encore 9 de bravoure. Ouais, ça va. Je regarde s'il n'y a pas de truc. 9 de bravoure, on peut... Oh mon dieu, merde. Qu'est-ce qu'ils font là? Je rêve, ils se sont mis en embuscade. Je leur ai toujours pas. On s'est jamais fait attraper par eux, hein, mais on a vu qu'ils nous fonçaient dessus quand ils nous voyaient. Donc je suis pas pressé de découvrir ce qu'ils nous font en fait. Ou ce qu'ils nous veulent. Vous faites quoi vous? Arrêtez de nous attaquer. C'est parce qu'on a le mec avec nous, c'est ça? Oh joy! Oh happiness! We did it! I can feel the eye's forgiveness blessing my soul. Je pense que c'est à cause de lui, c'est parce qu'on l'avait dans l'équipe. Thank you, mercenaries. Here's something my former comrades and I obtained through nefarious means. I don't want it anymore. Ah. By Saint Jeru, what did you bring me, mercenaries? Mais je sais pas, Sam. J'en sais rien, moi. We must do this past festival of light. We. I'll talk to the priestess. I bet she'll be happy to see me. Ouais. Je suis pas sûr. Are you here to pray? Je suis pas sûr qu'elle soit super heureuse, mais bon, tant que tu la poignardes pas, ça ira.
Aïe, 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 aïe. Donc on a une carte. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah si, on connaît cet endroit. Alors, c'est où le centre d'entraînement? Ou je sais pas, je dirais le centre d'entraînement. On va voir un peu. Ah, les érudits peut-être. Centre d'entraînement ou érudits? C'est où les érudits? Genre ça là. Ou l'inquisition. L'un des deux. C'est, en fait, ils montrent des tentes là, mais honnêtement, c'est plus des trucs comme ça. Je veux pas dire, mais ils auraient pas dû mettre des tentes à la place. Parce que moi, des tentes, ça me fait penser au camp des... Ouais, non, mais c'est pas vraiment les mêmes. Quoique, attends. Les camps, ils sont comme ça? Ils sont dessinés comme ça, non? Ah non, les camps de trackers, c'est juste des tentes, en fait, simple. Ok. Ouais, bon, c'est peut-être ça, en fait. Peut-être l'un des deux. Ok. Bon, on verra ça la prochaine fois. On va s'arrêter là. Bah, c'était cool. C'était cool. Connaissance... On va s'arrêter là. Qu'est-ce qu'on fait de toutes les armes? On n'a qu'à les vendre, ça nous fera de l'argent. Quoique, alors attends, on a combien de machin? 7. Hop, merde. Après, de toute façon, les armes, je crois qu'elles valent très cher ici, puisqu'elles sont au niveau. Ouais, donc du coup, et là, si on achète ça, c'est 100. Donc ça vaut le coup de vendre, en fait. Par contre, j'aurais pas dû vendre là. J'aurais pas dû acheter ça maintenant. Parce que après, ça va être tout le bordel, c'est en inventaire. Fais chier. Bon, c'est pas... J'aimerais que les inventaires des vendeurs soient... remis à zéro de temps en temps, parce qu'après c'est le bordel dans leur... C'est pour ça que j'aime pas vendre, en fait, en ville. Je préfère dans les marchands. Tire vicieux. Le bouclier, on le garde, ça c'est le nôtre. Ok. Ouais, ça vaut le coup de faire ça, en fait. Bon, je suis sûr que j'aurais dû le faire depuis longtemps, en fait. Ce système-là d'acheter, en fait, les vins et de vendre les armes au lieu de les briser. Mais bon. Après, ça fait plein de différentes ressources. Hein. Mais taisez-vous. Taisez-vous. Hop, l'argent. I don't know if I'm allowed to rent rooms or. Might she be looking for work? Here is your reward. Ok, je pense qu'on a fait le tour. On va se vider l'inventaire, on va s'arrêter là. Eux, ils sont pas entretués, c'est bien. Ça, 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 les cartes, on va la mettre là. Ça, on n'en a pas vraiment besoin non plus. Très bien. Les humains, on les garde. Enfin, quoique, non, on n'a pas vraiment besoin de les garder. On peut directement les transformer en plats. Ça fait un peu moins lourd. Ouais, on peut mettre ça. Bon bah c'est bien. Ah, c'est le niveau. Très bien. On va s'arrêter là.
On n'est pas... Encore une fois, on n'est pas fatigué du tout. Hein. On est à peine entamé notre barre de fatigue. On est à 9 de bravoure, ce qui est ok. Tant qu'on fait pas de très gros combats, ça ira. Ça passera. Donc on va pouvoir continuer. La prochaine fois, on fera donc... Putain, sanglier, casse-toi. La prochaine fois, on ira voir, là. Si on trouve le trésor. Sinon, on va continuer un peu l'histoire. Ah, l'histoire. Le problème, c'est que l'histoire, on est bloqué avec le village maudit. Ou le temple. La porte du Mont Céleste. Ah oui, attends, c'est les mines de... Non, là, ils nous repoussent, ils nous disent de pas rentrer. Ah, peut-être que... Ah non, ça. Retrouver le tavernier. Non, on fera le retrouver le tavernier. Avec de la chance, on prendra un peu d'expérience. Ah oui, il y a aussi... Oui, je pourrais booster mon expérience, en fait. C'est vrai que j'ai pas pensé à ça. Parce qu'on reste tellement éveillé longtemps. En tout cas, à la prochaine. Merci beaucoup d'avoir regardé. Ciao, ciao !